Cette année, c'est notre troisième colloque sur la maladie d'Alzheimer. Le premier colloque a eu lieu il y a 2 ans à Bonaventure, l'an passé à Gaspé. Donc, on est vraiment heureux là, d'être à Chandler pour la troisième édition. C'est vraiment là, une journée de ressourcement pour les proches aidants. Les proches aidants, bon, ils vivent avec une réalité qui n'est pas toujours facile. Ils côtoient des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, le colloque vise vraiment là, à travailler avec eux au niveau de la... Comme cette année, il y a des ateliers sur la médiation familiale et un sur le ressourcement, de prendre du temps pour eux, pour avoir de meilleurs conseils aussi pour se reposer à la maison. La Société Alzheimer Gaspésie-Les-Îles, ben, on couvre toute la Gaspésie. Donc, on a vraiment aujourd'hui là, des gens un peu partout de la région et même des gens des Îles-de-la-Madeleine, puis des gens qui viennent là, pour se ressourcer. On a 2 invités cette année, Pascal Soucy de Gaspé, qui lui va parler là, du vieillissement de la population, puis donner des conseils aux gens pour prendre soin d'eux. Et Josette Boudreau de Carleton, qui vient donner un atelier sur la médiation familiale. Ce soir, c'est vraiment là, une porte ouverte. C'est les gens là, des gens de la MRC Rocher-Percé qui peuvent venir nous voir, s'entretenir. Puis on est là pour les écouter, prendre leurs commentaires. On va également parler de nos services à la Société Alzheimer Gaspésie-Les-Îles. Puis également, les gens de la clinique de mémoire sont ici aussi.